Le 28 janvier est la journée de la protection des données personnelles. C'est l'occasion de réfléchir à la vie des données que nous partageons hors ligne et en ligne, ainsi qu'à notre relation, plus généralement notre relation avec les données personnelles. C'est pour informer les hommes des médias sur la protection des données à caractère personnel et les sensibiliser sur les droits de protection de ces données que l'Autorité de protection des données personnelles a initié cette séance de formation sous forme de conférence de presse à l'endroit des journalistes. Données à caractère personnel, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est toute information portant sur une personne physique, j'insiste sur le terme physique. À travers trois communications, les formateurs ont informé les participants sur la structure de l'Autorité de protection des données personnelles et ses missions, les limites à l'utilisation des données personnelles au Bénin, les risques à l'utilisation des technologies, les obligations du responsable de traitement des données et les sanctions pénales liées aux infrastructures en la matière. Le débat après ces communications a édifié les journalistes présents. On se rend compte que nos droits sont violés au quotidien pour la plupart parce que nous n'avons pas toujours connaissance de certaines réalités des droits, de nos droits justement. Donc je retiens quand même qu'il faut prendre certaines précautions déjà dans l'utilisation des réseaux sociaux en l'occurrence ou de tout ce qui est lié à Internet et qui implique nos données personnelles. Nous avons un rôle à jouer en tout cas pour notre part pour protéger ces données-là. Il faut comprendre qu'aujourd'hui le numérique ça évolue à grande vitesse et nous sommes pratiquement ignorants des lois qui encadrent nos données et que nous répandons tout le temps sur les réseaux sociaux et par d'autres canaux qui ne nous avantagent pas forcément. Et donc, cette sensibilisation que la PDP a fait aujourd'hui avec les hommes de médias est la bienvenue parce que c'est à nous, bien sûr, de relayer l'information. Mais au-delà de cela, il y a que nous aussi, nous avons besoin d'avoir de ces informations-là pour notre propre gouvernement. Le président de l'APDP a profité de l'occasion pour livrer son message dans le cadre de la Journée mondiale de la protection des données personnelles qui sera célébrée sous le thème « Exercez vos droits ». Je voudrais donc vous exhorter à prendre soin de vous, à prendre soin de vos données personnelles et à exercer vos droits. Je vous remercie.